ocean sailing here, and you know, they do a great job with the courses and pretty entertaining. It's a really great island. It's a wonderful little spot, this, and the guys have all enjoyed themselves. The spirit's great. The atmosphere is fantastic. I mean, you couldn't ask for a more beautiful place to sail. Bien organisé, où il y a donc des concerts live tous les soirs, où il y a des animations en permanence, donc des interviews, on peut rencontrer les marins, le village est ouvert à tous, donc beaucoup de convivialité, beaucoup de dialogue. Non, il n'y a pas de risque, les gens sont des bons marins, ils naviguent en bons marins, prennent pas de risque dans ce domaine, je crois qu'il faut plutôt faire attention aux bateaux spectateurs, mais ça, on a ce qu'il faut sur l'eau pour les en éloigner. Les voiles de Saint-Barth, c'est une manifestation vélique qui s'est greffée donc, depuis 4 ans, c'est la 4e année. C'est la manifestation sportive, le voileux, je dirais, profond dans l'âme, qui aime se confronter aux autres, même si ce sont des bateaux différents, mais qui aime la voile au sens propre. Aujourd'hui, on va faire des parcours un peu dans le nord de l'île, et ça va être des parcours avec des bords relativement courts, donc il y aura plein de manœuvres autour des îlets. Je pense qu'il va y avoir du beau spectacle. Même si c'est sérieux sur l'eau, les gens ne sont pas là pour courir d'une façon agressive. On a un beau tableau cette année, et meilleur que les autres années. C'est magnifique d'avoir ces marques naturelles, de tourner autour de rochers qui ont une dimension, une couleur, une odeur, enfin c'est avec des fonds bleus, enfin c'est somptueux. Vraiment un parcours assez riche en allure, donc en manœuvre. En tactique aussi, en stratégie, non, c'était vraiment intéressant. It's a really sporting occasion. The competition is great. The course was really quite challenging for us. I think St. Barth's lived up to its reputation today. We had great winds from 11 knots to 18 knots. A few nice wind shifts, so you could actually play a nice tactics and strategy and gain an advantage. And the course was wonderful. We got to sail around the island both times. It was just tremendous for the race. Thank you.
très très beau. Puis bon, aujourd'hui aussi la spécificité de Luc, je crois que ce qui nous a pondu aujourd'hui est magnifique parce que tous les bateaux se sont croisés. Everything is cool, easy, and the people are so friendly and non-aggressive, and that's really something different from the rest of the Caribbean, I think. Là, d'arriver ici avec dans une ambiance de soleil, d'alizé, bonne convivialité à terre, non, ça fait plaisir. Et je pense que c'est ce qui fait aussi l'esprit sympathique qu'on trouve quand on vient sur les voiles de Saint-Martin. La voile de Saint-Martin est la meilleure, the best, perfect, est la meilleure. Saint-Martin numéro uno, et donde mejor está. First of all, sunny every day, few showers, but they never last very long, 80 degrees, constant wind, 15, 17 knots, predictable, but shifty and challenging, and, you know, nice waves on the backside, and, you know, it's kind of a sailor's paradise, it's just sort of perfect conditions. C'est fantastique, parce qu'il y a un temps, le plan d'eau est extraordinaire, on a toujours un vent de fantastique, de 15, 20 nœuds de vent, 20, 25 nœuds de vent. La mer chaude, le beau temps, le soleil, c'est merveille. Idéal pour la voile. J'ai pris une fois une voiture. J'ai fait le tour de l'île et je connaissais que Gustavia. J'ai pris la voiture et c'est une île magnifique. Oh, c'est certainement une réussite sur le plan sportif, mais c'est aussi une réussite sur le plan économique. Parce que bien évidemment, ça draine beaucoup de gens dans l'île, en particulier dans le prolongement de la saison touristique qui s'achève un peu vers la mi-avril, quoi. When we're not sailing, we're enjoying the great restaurants. So we come here and just really, really enjoy the island restaurants and the people.